Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour enregistrer sur votre clé USB. Donc tout d'abord, il faut que je commence par brancher ma clé. Ma clé est branchée, j'ai le petit message en bas à droite. Pour le moment, je n'ai pas besoin de sélectionner d'action dessus. Je vais donc prendre un document texte sur LibreOffice. Je vais écrire par exemple bonjour à tous, et donc je souhaite enregistrer ce document. Pour enregistrer ce document, il va me suffire d'aller sur Fichier, Enregistrer sous. Dans la fenêtre qui s'ouvre, à vous de lui indiquer avant toute chose à quel endroit vous souhaitez l'enregistrer. Donc moi, je vais aller sur ce PC, sur la colonne de gauche, et vous retrouvez donc tous les dossiers principaux, documents, images, vidéos, musique, téléchargement. Donc là, c'est des dossiers qui se trouvent sur votre ordinateur. Et si vous descendez, vous avez périphérique et lecteur. Dans périphérique et lecteur, je vais trouver les disques durs de l'ordinateur, mais également le lecteur DVD si vous en avez un, et j'ai Kingston F qui va correspondre à ma clé USB. Je vais donc double-cliquer dessus, et sur ma clé USB, je souhaite ajouter un dossier. Je voudrais créer un dossier que je vais appeler document administratif. Vous avez ici en haut le bouton nouveau dossier. Je clique dessus. Le nouveau dossier apparaît en bas. Je lâche ma souris et je lui donne un nom. Je valide avec la touche entrée du clavier et mon dossier est bien créé. Comme j'ai pu vous le dire dans les vidéos ultérieures, il faut toujours être attentif à ce qui se situe dans la barre d'adresse. Donc là, je vois que je suis bien sur ma clé USB, mais je ne suis pas dans mon dossier document administratif parce qu'il n'apparaît pas dans la barre d'adresse. Il faut donc penser à double-cliquer sur ce dossier pour rentrer dedans. Et là, vous voyez que je suis bien sur ma clé document administratif. Je peux maintenant donner un nom du fichier. Une fois que j'ai donné le nom du fichier, je vais pouvoir faire enregistrer. Je peux continuer à travailler. Et là, on voit que j'ai apporté une modification à mon travail. Il faut penser à mémoriser ces modifications. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la disquette qui est ici, qui correspond à enregistrer pour enregistrer les modifications, ou bien sur fichier enregistrer. Là, il ne se passe rien, vous n'avez pas d'autres manipulations à faire. L'enregistrement est pris en compte aussitôt. Si je ferme mon travail et je veux retrouver ce que je viens de faire, je peux aller sur l'explorateur de fichiers. Je retrouve ma clé USB, je double-clique dessus. Dans mon dossier documents administratifs, je vais double-cliquer dessus et je retrouve bien mon fichier cours du 4 juin. Si je double-clique, mon fichier s'ouvre et je peux continuer à travailler dessus. Nous en avons terminé pour l'enregistrement sur clé USB. Dans la prochaine vidéo,
Nous verrons comment transférer des fichiers sur cette clé USB, mais surtout comment renommer la clé pour la trouver facilement. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.